Eh bien salut les amis, c'est Kamado et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Yoka Watch Wibble Wobble. Alors dans cette vidéo en fait on va continuer les lames éternelles parce que je me suis rendu compte en fait, enfin je vais vous montrer en fait, mais juste je voulais vous dire un truc, je suis désolé, mais entre cet épisode et le dernier épisode j'ai joué au Bingo Kai, j'ai joué une seule fois au Bingo Kai, hein. Je me suis dit voilà, bon j'ai jamais de chance, alors j'ai rien à faire, je m'ennuie, allez je vais jouer 3000 pièces et j'ai joué, et regardez qui j'ai eu, Auvergnat. Auvergnat, je vous en parlais il y a quelques épisodes, genre c'était une exclue du jeu, on ne pouvait pas l'avoir dans le jeu, il n'y avait pas de mot de passe pour l'avoir, enfin il y a des mots de passe pour l'avoir en français, mais là, la version américaine, on ne pouvait pas l'avoir, on pouvait l'avoir qu'il y a plusieurs mois en fait, au moment où le film est sorti, on pouvait l'avoir en récompense, et on ne pouvait plus du tout, il avait disparu, et en fait il est revenu au Bingo Kai, il n'est pas ultra rare, mais il est revenu au Bingo Kai, et donc j'ai joué une fois, et je suis tombé dessus, donc bah écoutez, je suis refait, j'ai eu Auvergnat, comme ça, genre en dehors des vidéos, donc enfin, c'est génial, mais je vous promets, je ne jouerai plus au Bingo Kai maintenant quand vous n'êtes pas là. D'ailleurs, je vais rejouer juste une fois pour me faire pardonner. Allez, c'est pas l'épisode du Bingo Kai, mais je vais jouer une fois, même deux fois, allez. Juste pour, voilà, pour me faire pardonner, on va dire, d'avoir joué sans vous. Et qu'est-ce qu'on va voir là? Et... Ah! What? Dracunian? Non mais... j'ai cru que... Waouh! Au début, j'ai cru que c'était Auvergnat, donc je me suis dit, pouh, allez, d'accord, on aura deux Auvergnat, enfin, j'aurai son âme ultime qui est mieux, mais attendez, mais ils ont changé tous les Kai du Bingo Kai, là. Donc, quoi? Alors, même dans le noir, les Cramped Space, qu'est-ce que ça veut dire, Cramped? J'en sais rien. Enfin, certains endroits deviennent ennuyeux après un certain temps, d'accord. Cramped, je sais pas ce que ça veut dire, bref. Donc, merci pour m'avoir libéré. Ok, et donc bah, j'ai un nouveau yokai, genre le truc inattendu quoi. Sérieusement, Dracunian quoi. Attends, on va rejouer, on est en veine, donc on va rejouer. Alors, allez. Et oh! Oh, d'accord, ok. J'ai encore cru à un truc de dingue, puis finalement, bon, voilà, c'est comme à San, ok, bof. Donc attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir en ce moment? Donc on peut avoir chauffe qui peut rang SS, puis après voilà, il y a les rangs S habituels, pas de nouveau je crois. Dans les rangs, on peut avoir Robonian F, c'est vrai, je l'ai pas. Puis après, Darknian, ok. Auvergnat, Kiwinian, d'accord, il y a quand même quelques nouveautés. On va rejouer une dernière fois. Là, je vous dis, c'est pas l'épisode du Miyokai, non. Ce sera dans quelques épisodes, mais là, voilà, je me sens en veine. Donc, je voulais rejouer. Allez. Ah, d'accord, ok, Agon, on l'a déjà. Bon, on a eu un Yokai qu'on avait déjà, donc voilà, c'est bon. On arrête le Miyokai pour le moment, on recommencera, ne vous en faites pas. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire déjà. Pourquoi on fait limbes éternelles? Eh bien tout simplement parce que là on est en train de continuer le jeu, et comme on le continue, eh bien je suis en train de débloquer le paradis en fait. Et je me dis, mince, il faut que je termine les limbes éternelles le plus rapidement possible en fait, pour pouvoir justement après vous faire le paradis. Donc voilà, on va faire les limbes éternelles, mais il y a autre chose aussi, qu'est-ce que... Non... J'ai ajouté 190 yokai à mon médaillum. Truc de dingue quoi. Waouh. C'est super, n'hésitez pas à vous dire dans les commentaires combien de yokai vous avez dans votre médaillium. Et là, je vais en avoir un 191e parce que regardez, j'ai réussi à récupérer les perles, enfin les perles de la sirène. Alors, attendez les amis, les perles de la sirène, parce que pour le moment, c'est vrai que vous ne pouvez pas les avoir, vous ne pouvez pas avoir ce yokai dans Yoka Watch pour le moment, mais quand ça sortira... Vous allez certainement être beaucoup dans les commentaires en fait à me demander comment j'ai fait pour l'avoir. Donc je vous le dis, il faut battre Barbefrousse. C'est Barbefrousse qui vous le donne, mais c'est très 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 rare. J'ai dû combattre Barbefrousse 50 fois pour l'avoir. Donc c'est très 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 rare, hein, mais c'est en battant Barbefrousse, hein, donc vous découragez pas, essayez, essayez. Donc voilà, on va faire la fusion de Mermaid là avec... la perle, et donc on va voir un nouveau yokai dont je ne connais pas le nom. Enfin, ça doit être elle, Sérénité, non, je crois. Donc, elle, c'est peut-être Sérénité, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, Mermadonna, stylé. Je crois que j'ai toutes les sirènes. Enfin, j'ai toutes les sirènes en tout cas qu'il y a dans un Wibble Bobble, je crois. Hein. Et là, c'est cool parce que on a un saut en plus. Donc là, je vais fusionner aussi ça. Bon, tant qu'à faire. Hein. Je savais même pas que je l'avais, le truc glacial. Je sais même pas où je l'ai eu. Donc, c'est cool. Comme ça, on a une Blizzaria de plus. Ah, on augmente son âme ultime. Sympa.
Je ne savais pas. Donc on va aussi fusionner ces deux-là, les tanks à faire. Hein. Comme ça, ça va augmenter la multi-team de Duluma. Non, c'est pas Duluma. Mochimacho ? Je sais plus. Enfin, du yokai qui en sort, quoi. De lui, là. Voilà, lui. Darumacho, ok. D'accord. On se rapproche de plus en plus du niveau 7, mais bon, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on va pouvoir continuer notre aventure. Il faut que je récupère des esprits, parce que j'en ai plus énormément. Mais comme je vous dis, j'ai rajouté pas mal de gens, et genre, les gens que j'ai rajoutés, là, si vous êtes là, merci à vous, parce que vous m'envoyez plein d'esprits, c'est génial. Donc, souhaitez-moi bonne chance parce qu'on est reparti pour des stages experts. Et les stages experts, c'est toujours un petit peu chaud, hein. Mais là, normalement, ça va aller. Il faut y croire. Je vais essayer surtout de faire du score. Ce serait cool. Bon, là, par contre, je me sors pas très très bien. Je pense que vous avez vu, mais c'était un peu la misère, là, au début du combat. Ok. Allez. On va bientôt faire... Ah mince! Mais les vies qu'on perd, là, j'ai perdu. Ah, il y avait un autre truc que je vais vous montrer. Je m'en souviens maintenant. Moi, je vais vous montrer ça juste après ce combat, si j'y pense. Oh là 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 là, les dégâts qu'il nous fait. C'est vraiment chaud ce combat. Mais là, ça va aller. Enfin, ce combat est chaud, mais surtout que c'est pas comme si c'était le dernier. Il va y en avoir plein d'autres des combats là qui vont être genre tous en mode expert. Ça va être plutôt chaud. Allez, donc on fait lui. Ah! J'ai pas réussi à faire Vampiric. Attendez, je charge Vampiric quand même. C'est important, ça. Allez, c'est bon. Vampiric est chargé. Parce que là, on va peut-être faire un finish. Je sais pas, mais c'est quand même difficile contre ces yokai de faire des finishes. Eh ben si. On a quand même fait un finish. Alors voilà, je voulais vous parler de score et je voulais vous parler surtout d'un truc. J'ai besoin de votre chance, les amis. Il faut que vous me souhaitiez bonne chance dans les commentaires. Vous allez voir. Ok, 300 pièces, c'est cool, on gagne des bons trucs. Génial. Donc regardez, ranking, en ce moment, en time attack, on se combat contre Shogun King. Alors Shogun King, il est assez difficile à battre, mais j'ai fait un score de malade. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais regardez, j'ai fait 4 489 016 points. C'est énorme. Et il reste 2 jours et quelques heures, et je suis combienième ? 176. Si je me fais pas dépasser, les amis, je vais avoir Shogun King. Alors, si j'ai Shogun King, je le mets dans mon équipe à la place de Shogun Yan. Enfin, c'est clair, hein, c'est un rang SS, c'est certain. Donc, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Il reste 2 jours, il faut pas qu'on me dépasse. Allez, il faut pas qu'on me dépasse. J'y crois. Ah, mais au début, j'avais fait 3 millions, et genre, j'étais premier. Mais j'ai joué dans les tout premiers du jeu, hein, donc j'ai été premier. Puis après, bah, ça a descendu. J'ai commencé à paniquer quand je me suis retrouvé... 210, et finalement, bah, après m'être retrouvé 210, j'ai rejoué. Et alors, pour avoir un aussi bon score que ça, je vais vous dire ce que j'ai fait en fait. J'ai retiré Siro de mon équipe là. J'ai joué avec cette équipe en fait, sauf que j'ai retiré Siro. Et à la place de Siro, en fait, et eh bien j'ai mis super, l'empirique est chargé. Et qu'à la place de Siro, j'ai mis un autre yokai, j'ai mis Captain Bully. J'ai Captain Bully en fait, il a comme pouvoir. Enfin, il est capable en fait de... Enfin, c'est un score booster en fait. Il booste le score. Et alors ça, c'est génial. Booster son score, c'est super. C'est exactement ce qu'il faut. Y a pas le choix. Il vaut mieux avoir une équipe plus faible et avoir un booster de score qu'avoir une équipe ultra forte et pas avoir de booster de score. Je vous le dis, hein, parce que ça a fait une différence significative. D'un coup, j'ai fait énormément plus de points, quoi. Donc franchement, les amis, voilà, c'est... Moi, je vous conseille, même si vous avez... Alors déjà, aussi, très important, faites en sorte que toute votre équipe soit de la même tribu. Moi, j'ai fait que des vaillants. Comme ça fait que voilà, je fais un super score. Donc c'est très très bien. En plus, là, mon scarnage, c'est super, parce que la multi de scarnage, c'est génial. Pouvoir se débarrasser des orbes de scarnage, c'est super. Je pensais que ça servait à rien, mais c'est génial. Ensuite, j'ai aussi augmenté les âmes ultimes de tous mes yokai. Genre, maintenant, mes yokai, ils sont niveau 3 ou 4 d'âmes ultimes. C'est ce qui est indispensable. Et puis, en plus de ça, bah, je vous ai dit, voilà, j'ai mis Captain Bully dans mon équipe. Alors, Captain Bully, je l'ai combattu, je sais pas combien de fois. Hein. Captain Bully, je me suis combattu contre lui, mais genre des centaines de fois, parce que j'essaye, en fait, d'amener son âme ultime au maximum, lui aussi. Et parce que pareil, si son âme ultime au maximum, bah voilà, ce sera génial. Enfin, ça deviendra beaucoup plus facile pour avoir encore plus de scores.
Donc voilà, c'était les petites astuces de Kerbendo. J'espère que ça vous aidera. Pour le moment encore, comme le jeu vient de sortir en France, c'est plus facile pour vous de faire des hauts scores, d'être premier dans le classement, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de gens. Alors que moi, aux États-Unis, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de faire des bons scores, hein. Très très chaud. Parce qu'il y a énormément de compétitions, et les gens, ils sont remontés, là. Et eux, ils rigolent pas, hein. Je sais pas si vous avez vu quel était... Oh, je redeviens Miyak, mais cool. Enfin, je sais pas si vous avez vu... Enfin non, je l'ai pas montré, en fait, quel score avait le premier. Mais alors, le premier, je crois qu'il a quelque chose comme 40 millions, quoi. Moi, j'ai 4 millions. Le premier, il a 40 millions, enfin... truc de dingue, quoi. Je sais pas comment ils font, les gens, mais... GG, hein, GG. J'ai aucune idée de comment on peut en arriver là. Enfin bref, les amis. Nous, on continue. Là, on est concentré sur le Infinite... Les limbes éternelles. Ah, j'avais oublié. On va y arriver. Donc, il y a aussi pas mal d'entre vous qui continuent de me dire dans les commentaires « Kerbendo, il te manque un yokai pour avoir un légendaire, et c'est un papillon, et pour l'avoir, il suffit de fusionner deux papillons. » Alors, c'est très gentil que vous essayez de m'aider en me disant ce genre de choses. C'est super sympa, hein, mais... donc, merci à vous. Sauf qu'en fait, j'ai déjà le papillon. Enfin, le papillon de la fusion. C'est un autre papillon, en fait. Il y a deux gros papillons dans le jeu, et le papillon qui manque, c'est un autre, en fait. C'est un papillon qu'on peut avoir qu'au bout yokai, malheureusement. Donc en tout cas, merci d'essayer de m'aider, hein, ça me fait plaisir. Mais malheureusement, j'ai déjà tenté et c'est pas ça, désolé. Allez, vas-y Vampiric, est-ce qu'on va faire un finish? Ah, j'aurais bien voulu être capable de faire Shogunian. En plus, on n'a pas fait de finish, quoi, ça, c'est terrible. Allez, là, on va faire un finish, on va pas vraiment faire de finish, mais voilà, on va se débarrasser de Suspicioni, Contrarioni ou l'autre, je ne sais plus quoi. Il y en a trois et j'oublie toujours le troisième nom. Mais je sais, parce qu'à chaque fois, je dis « Ah, mais j'oublie le troisième nom !» Mais oui, mais je ne sais pas comment ça se fait. Bref, c'est pas grave. Il ne faut pas oublier que dans le dernier cercle des limbes éternelles, on va devoir récupérer toutes les étoiles pour avoir la chimère roi, là. Donc, il faudra. Hein. Bon. Lui, au passage, je vais essayer de... Quoique non, lui, je tombe jamais de Shubinoka ici. Non, c'est pas illusion, lui, donc je tombe jamais de Shubinokai. Bon, en passant, on va quand même essayer, voilà, on va lui donner à manger. Si on pouvait devenir ami avec lui, voilà. Mais de toute façon, ils sont plus au Binokai, ils ont retiré les illusions du Binokai, je crois. Enfin, je pense qu'on peut toujours avoir les illusions avec les pièces. Enfin, avec les pièces de Binokai, mais plus en tout cas avec les pièces Y, quoi. Je ne crois plus. Et... Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler, mais je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle là, sur Yo-Kai Watch qui est arrivée. C'est pas une mauvaise nouvelle pour ma chaîne, hein, ne vous en faites pas, c'est une mauvaise nouvelle pour Yo-Kai Watch en tant que jeu, en tant que série. Mais non, je ferai une vidéo pour vous en parler, parce que c'est très important, en fait. C'est très important et voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Alors là, ok, c'est bon. J'aurais bien voulu faire une ultime de plus, mais non, j'ai pas réussi à la faire pendant la fever. Ah, par contre, il va mourir, non? Ah, il y en avait deux, j'avais pas vu. Là, par contre, ça, j'éclate ça, il meurt, on est d'accord. Bah ouais, là, c'était sûr. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu pouvoir lancer la ultime. Puis, je suis même pas devenu ami avec Hibourlingue, là, il voulait pas de moi. Iblusion, Hibourlingue, et... Il y en a que deux, des hiboux? Il y en a peut-être un troisième. Iblusion, Hibourlingue... Bref, c'est pas grave. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une nouvelle pièce de Bingo Kai, encore une fois. Donc, très bientôt, hein. Nouvel épisode du Bingo Kai. Et je vais jouer toutes les pièces, là. Toutes les super pièces. Parce que je vais avoir, genre, 100 essais, quoi. Ça va être un truc de dingue. J'ai déjà mis sur mon emploi du temps quand est-ce que je vous le ferai, l'épisode. Et ça va pas être dans un mois, ne vous en faites pas. Normalement, je vous avais dit que je ferais des épisodes du Bingo Kai tous les mois. Enfin, une fois par mois. Mais non, là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de jouer mes pièces, donc ce sera pas dans un mois. Ne vous en faites pas. Je pense que cette nouvelle vous ravit aussi. Parce que je crois qu'il y a très peu d'entre vous qui avaient envie d'attendre un mois. Ah oui, Shogunian, c'est cool. J'aurais bien voulu pouvoir changer Siro, mais ça paraît ultra compromis, là. Surtout que je les éclate par heure, donc non, c'était carrément compromis. C'était pas possible. Oh, très bien. On en a chargé pas mal, là. Il y a peut-être moyen de charger Siro. Attendez. Là, on fait disparaître les carnages et... Oh oui, on va pouvoir changer Siro. Non, Siro. Voilà, c'est bon. Malheureusement, on l'a chargé, mais on pourra s'en servir que pour un seul yokai. Dommage.
ça va pas faire énormément de dégâts, mais bon, c'est pas grave. Allez. On n'arrivera pas aux 20 000, mais voilà, 18 000, c'est déjà très bien. Puis ça permet d'avoir un petit finish. Puis regardez, quand je fais 443 000 points. Et comme je fais 443 000 points, je gagne 220 pièces par combat. C'est ouf, ça. Bon, je gagne aussi 1100 d'XP, mais bon, 1100 d'XP, on s'en moque un petit peu, parce que, voilà, quoi, l'XP, tout le monde est niveau 50, donc ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je pourrais mettre un yokai qui est pas niveau 50 dans mon équipe pour essayer de l'XP, mais bon, j'ai peur qu'en faisant ça, en fait, je meurs. Je pense que mon équipe sera peut-être pas suffisamment puissante, en fait. Genre Overnian par exemple, Overnian c'est cool, c'est un vaillant, mais bon c'est un rambé déjà, bof. Et en plus de ça, son âme ultime elle est nulle. Enfin son âme ultime je pense qu'elle est bien, mais au niveau où j'en suis en fait elle est nulle, il faut que je l'améliore. Mais ça va être chaud d'avoir d'autres Overnian. Enfin en tout cas moi je suis tranquillement en train d'XP Overnian, hein. Je fais ça hors des épisodes. Et ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Sauf que comme je vous dis, son âme ultime est vraiment très très nulle. Elle est très très nulle au niveau 1. Franchement je suis déçu. En fait il a un peu la ultime où genre il se projette au milieu de l'écran. Et en fait il détruit les trucs sans trop quoi. Il détruit les Weebwaps sans trop. Donc c'est un truc qui serait pas si mauvais, mais sauf que niveau 1 c'est nul. Il détruit 4 Weebwaps quoi. Hein, c'est un petit peu pourri vous voyez bien. Allez. On n'aura pas Siro, ça c'est dommage. Donc on peut tenter. On peut tenter. Non, je l'ai éclaté, ça suffisait pas. C'est dommage. Ah bah voilà, là on a Siro, mais c'est trop tard. Surtout qu'on a fait que... Ah, non, 16 000, ok, je croyais qu'on allait faire que 14 000. Là j'aurais été un petit peu déçu, je dois vous l'avouer, parce que c'est vraiment pas beaucoup. Mais là 16 000, ok, ça va, tranquille. Qu'est-ce qu'on gagne comme récompense? Oh, un oursin, super. Je déteste ça, les oursins. Genre à manger. Enfin, je déteste ça, oui, parce que je crois que tout le monde déteste ça, les oursins. Enfin, je veux dire, c'est pas agréable de marcher dessus. Mais je veux dire, à manger, moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout. Sans, comme je vous dis, moi, je mange pas de viande et je suis pas trop non plus. Je suis pas trop. Fruits de mer. Fruits de mer, non. J'aime pas trop ça. À la limite, les Saint-Jacques, quand c'est bien préparé, mais sinon, non. Bon, après, on n'est pas là pour parler de mes habitudes alimentaires, mais voilà, je tenais quand même à éclaircir ce point. Allez, on va bientôt... Alors, attendez, ça va être qui, boss, là? Bon, vous le savez, parce que c'est marqué dans le... Enfin, c'est sur la miniature. Mais attendez, parce qu'on a déjà battu Porcinator, on a déjà battu Hydreux. Oh, ça va être Styx, là. Genre la version bizarre de... Enfin, la version alternative de Carpitaine, je crois que ça va être ça. Je crois. Je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Allez, on se débarrasse de tous ces trucs-là. Oh, il y avait Siro qui était chargé, j'avais pas vu. Je suis un peu dégoûté, là. C'est pas grave. Allons-y. Là, on a aussi des Shogunian. Bon, on va commencer. Voilà, c'est bon. Mon Vampirique, j'y crois pas. Mon Vampirique, j'y crois pas. Je pense qu'on l'aura pas chargé. Ça me paraît un petit peu compromis, ça, aussi. Oh, quoique. Ah, oui, c'était genre au dernier point, et regardez, attendez, les nombres de points qu'on a, 24 000 points, j'ai déjà fait 24 000 points en faisant une fever, j'en ai pas souvenir, hein. Et 574 000 points, c'est dingue, si on a suffisamment de pièces, je rejoue peut-être au Bingo Kai à la fin de l'épisode, on verra ça. Si voilà, si je suis genre de bonne humeur, on le refera peut-être. Les niveaux sont quand même de plus en plus difficiles, je sais pas si vous le remarquez, mais ma barre de vie devient de plus en plus affaiblie là, de niveau en niveau. Donc faut que j'essaye un petit peu de y arriver quoi, faut que j'arrête un peu d'essayer. Mince, juste de faire du score, il faut que j'y arrive, il faut que je réussisse, c'est le plus important. Le score c'est très bien, mais là, voilà quoi, on est surtout là pour gagner. Allez. Est-ce que je vais charger? Ah non, j'ai pas chargé ce carnage. Ça va être le cas là. Ouais, c'est bon, ce carnage est chargé. J'ai l'impression que je vais pas réussir à charger de grand chose d'autre en fait. Ce qui me fait peur. Allez, ce carnage disparaît. Siro, tu peux te charger ou pas? Et ouais, Siro est chargé, ça c'est cool. Bon, on va lancer Shogunian. Là, je vais essayer de faire un plus gros de ça. Et puis, allez, vas-y, Shogunian.
parfait. Oh, super, 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 super. Vas-y, mange-les. Et ensuite, démophage. Super. Bon, là, je pense que vous voilà 24 000. Mais attendez, mais je fais de plus en plus de niveau en niveau. C'est bizarre pourtant, parce que leur amulti m'a pas augmenté de niveau entre-temps, hein, mais... Ok, 556 000, eh bien c'est génial, je fais des scores incroyables. Je sais pas vous où vous en êtes dans le jeu, mais moi, avant de battre ma Kraken, je sais plus, mais je faisais des scores minables, quoi. Genre, j'ai honte par rapport aux scores que je fais maintenant. Mais faut pas avoir honte, parce que les scores qu'on fait, ça dépend pas que de si on joue bien ou si on joue pas bien. Bon, effectivement, si vous jouez bien, vous allez avoir un meilleur score, hein, forcément. Mais ça dépend surtout, vous le savez, des niveaux de vos yokai et des niveaux de leurs amultimes. Ça dépend d'ailleurs quasiment que des amultimes. Au niveau du scoring, les amultimes, c'est le truc le plus important, quoi. Donc même si vous jouez très 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 bien, si vous avez une équipe poudre en E, quoi, bah voilà, vous n'arriverez jamais à faire de très bons scores. Mais c'est pas grave, au début du jeu, on n'arrive jamais vraiment à faire de bons scores, c'est quelque chose qui arrive après. Donc faut pas se décourager. Moi je vous souhaite en tout cas bonne chance, hein. Parce que je pense que voilà, on a besoin au début d'être encouragé sur le Kawash, parce que je me souviens que quand j'avais joué à la version japonaise de Kawash Puni Bubble, à Puni Puni en fait, comme ça s'appelle, au début, et bah je faisais aucun point et ça m'avait tellement découragé que j'avais arrêté de jouer. Et moi je vous dis les amis, faut pas arrêter de jouer parce que vous faites pas beaucoup de points, parce que vous avez pas beaucoup d'argent, parce que ça va venir. Et d'ailleurs je voulais aussi vous dire un truc, parce que la dernière fois mince, j'aurais dû attendre un petit peu, c'est dommage. Bon, donc la dernière fois j'avais essayé de vous donner quelques conseils sur comment bien jouer au début à Yokawash Wobble Wobble, et je voudrais vous préciser un truc aussi. Vous savez, à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau monde, et bah vous avez une porte à ouvrir. Et cette porte, vous pouvez soit demander à vos amis, soit payer, soit avoir un yokai d'un certain niveau. Mais moi, je vous conseille de ne jamais payer pour ces portes-là. Je l'ai fait, mais je vous conseille de jamais payer parce qu'au début du jeu, on n'a pas énormément d'argent. Donc vraiment, ne le faites pas, ne payez pas. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'XP les yokai. Donc oui, ça va vous prendre du temps, mais c'est mieux. Parce que si vous XP les yokai, déjà, vous allez gagner de l'argent. Parce que vous allez faire des combats, donc ça va vous donner de l'argent. Et en plus de ça, ces yokai-là, on sait jamais s'ils seront utiles pas un jour. Même si c'est des yokai qui sont que de rang E, ou de rang C, ou de rang D, j'en sais rien. Et ben, faut savoir qu'il y a certaines quêtes du jeu qui consistent à réussir certains niveaux avec des yokai de rang E, ou avec des yokai de rang B, ou avec des yokai de bas rang en fait. Et donc c'est des quêtes qui peuvent vous donner beaucoup beaucoup d'argent. Donc moi je vous conseille de... Enfin, c'est pas parce que c'est un rang E que c'est mal de l'XP. Ça peut être très bien de l'XP parce que je vous dis justement, un jour vous en aurez besoin de ces yokai là. Pas pour le moment, mais un jour vous en aurez besoin pour gagner des pièces. Donc voilà, c'est mes petits conseils. XP toujours les yokai plutôt que de payer. C'est très important. Comme ça, ça vous fera gagner des pièces. Et puis, ça fera XP en plus votre équipe. Ça fait de l'XP vu que c'est des combats que vous allez faire en plus. Donc voilà, c'était mes conseils de plus du jour. Si je pense à d'autres conseils, je vous les dirai. Mais voilà, là, je pensais à ça. Et on arrive bientôt au boss. Et je vais rejouer au Bingo Kai. Si j'y pense, je rejoue au Bingo Kai après parce que là, voilà, je suis de très bonne humeur, on va dire. Allez, ok, carnage. Ah, oh, j'aurais cru que j'allais charger Siro, mais même pas. Lui, par contre, ça va charger. Lui, c'était presque sûr quand même. Allez, Siro, c'est bon. On a Siro de charger. Donc, on pourra utiliser Siro durant la fever. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, et lui, oh, même pas. Presque, mais même pas. Allez, oh non, j'aurais dû utiliser Siro d'abord. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, on n'aura pas de boost, mais bon. C'est pas grave. Ah mince, même pas. Attendez, mais c'est nul ça. C'est nul là. Elle est nulle cette fever. J'ai rien du tout. Voilà, allons-y. Ah, j'aurais dû essayer d'avoir des vampiriques en fait. Parce que là, deux, ça suffira pas si. Là, ça suffit. Mince. Ah, dommage. J'aurais pu faire un très bon score, mais non. Tant pis, tant pis. Par contre, on remarque quand même que j'ai nourri durant l'épisode pas mal de yokai pour devenir ami avec eux, et je suis devenu ami avec un seul yokai, je lui ai pas donné à manger. Mais ceux à qui j'ai donné à manger, ils m'ont tous snobé. Merci. Hein. Et bien voilà. Donc c'est ça, c'est Styx. Je crois que même en français, il s'appelle Styx. Par contre, il n'y a pas le MK, je crois. Mais je crois qu'il s'appelle Styx 6 en français. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Allez. Oh, regarde, c'est Styx 6.
Il aime bien interférer avec l'écran de puzzle avec sa canne à pêche. Faites attention à ce... Oh, faites attention à la contre-attaque de cet ennemi. Voilà, donc on y va, c'est bon, souhaitez-moi bonne chance les amis, laissez-moi des petits pouces bleus pour m'encourager. Je pense qu'on va y aller tranquille, enfin je sais pas, je peux pas vous promettre qu'on aura pas de game over, parce que non, ils sont quand même assez chauds les boss là maintenant, mais il y a quand même moyen, je pense qu'on assure. On va essayer, allez les amis, c'est parti. On sirop, ah mais y a rien qui est chargé quoi. J'arrive à charger aucune ultime, et voilà, il a fait son truc terrible. Il a enlevé mes Weebwobs. C'est horrible. Allez, vas-y Siro. Maintenant, on retire tous les petits scarnages. Et je pense qu'on pourra pas charger Vampirique. Quoi qu'on fasse, ça m'étonnerait qu'on charge Vampirique. Ouais, c'est pas possible. On abandonne. Donc là, on fait démophage. Si j'avais mieux joué, j'aurais peut-être pu charger Vampirique. Mais je suis pas trop... Quoi ? Finish ? Mais attendez, mais c'est censé être un boss de... des limbes éternelles. Et le truc genre voilà, c'était un combat aussi facile que les autres, d'accord. Bien joué. Il avait une certaine dreadful expression, je sais pas ce que c'est, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire dreadful. Et en plus ça me donne un soul secret, un secret de l'âme. C'est génial ça, c'est super. Bon bah les amis, allez, on va jouer au Bingo Kai pour terminer cet épisode. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Allez, une petite pièce, enfin 3000 petites pièces. Dracunian, Auvergnan. Ah, d'accord. Tataura, pourquoi pas. Je suis un petit peu déçu, je dois vous le dire. Mais bon, c'est pas grave. Oh, allez, encore une fois. C'est vraiment pour vous faire patienter là pour l'épisode du Bingo Kai. Parce que je crois que c'est pas le prochain, mais c'est celui d'après. Et... Oh, Epinian, cool. Bon, ils ont mis beaucoup de Jibanian là en ce moment dans le Yokai, j'ai l'impression. Bon, et bien, en tout cas, les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch Wibble Wobble. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve, et bien, très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!